Il y a très longtemps, dans une contrée très lointaine, où les forêts étaient partout, vivait un seul hideux vieillard avec une chèvre qu'il aimait par-dessus tout. Celle-ci était très vieille, mais restait en vie par amour pour lui. Aussi, le vieillard désirait une descendance. Un beau jour, je vais couper du bois, je reviens tout à l'heure. Sois salué, petit animal, que me vaut l'honneur de cette visite. J'ai besoin de ton aide, Gina. Je t'écoute. Je voudrais rendre mon maître heureux. Et de quelle manière puis-je t'aider? Mon maître souhaite une descendance et j'aimerais la lui apporter. Je peux t'aider. Ah, ça me fera vraiment plaisir. Je vais te transformer en femme, ainsi tu pourras lui faire des enfants. Je suis impatiente, Gina. Kalaku, kalaku, berukuki! Je te remercie, Gina, grand génie de l'arbre. Tu sacrifieras ton cinquième enfant sur mon arbre. Et elle s'en retourna chez son maître. Oh, quelle est cette belle femme? Maître, n'aie pas peur, c'est moi ta chèvre. Mais comment ça se fait que tu sois devenue une femme? Je suis allée voir le génie de l'arbre pour qu'il me transforme en femme, afin d'assurer ta descendance comme tu le souhaitais. Oh! Et ils vécurent ensemble. Il eut un premier enfant, puis un deuxième, un troisième, un quatrième et le cinquième. Et la vie se déroula sans problème. Un jour, grand frère, je peux jouer avec vous? Pas question, reviens à la maison, c'est dangereux ici. Laissons-le jouer avec vous. On veillera sur lui. Ok, c'est compris. Ouais! Bon, on joue à cache-cache. Allez vous cacher. Je peux venir? Thank you.
ne pas être vu. Bourki n'est pas de retour. Pas encore. Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas vu. Non, c'est dangereux. Allons prévenir les parents. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Bourki! Qu'est-il arrivé à Bourki? Maman, Bourki est attaché à un arbre. Que dis-tu? On jouait à cache-cache dans la forêt. C'est là qu'on l'avait attaché à un arbre étreint sans feuilles. Que se passe-t-il ici? C'est Jinan. Tu sacrifieras ton cinquième enfant sur mon arbre. Les enfants, attendez ici, on arrive. Viens avec moi. Bourki! Jinan, rends-moi mon enfant. Ah, te voilà, petit animal. Ne t'ai-je pas dit que tu sacrifieras ton cinquième enfant sur mon arbre? Tu l'as fait? Non, Jinan. Jinan, s'il te plaît, rends-nous notre enfant. Le vieillard, ne te mêle pas de cette affaire. C'est entre elle et moi. Petite chèvre, tu t'es enfin décidée? Non, Jinan. Mais l'heureux vient de toi. Et comment? Tu n'as pas précisé à quel âge je devrais sacrifier mon cinquième enfant. Et ceci est une faute dans le droit conféré au génie. Tu dois donc me rendre mon enfant. Ça c'est vrai. Malheureuse, tu as raison. Je dois te le rendre. Ils repartirent avec leur enfant et vécurent heureux pour toujours. Juste pour vous dire qu'un oubli peut toujours être rattrapé. C'est ainsi que prend fin ce merveilleux conte africain réalisé par Mpetaka Tompus. Likez, partagez et abonnez-vous massivement à la chaîne pour d'autres merveilleuses productions. Mpetaka Tompus, la chaîne de l'Afrique pour le monde.